Disons que sur l'ensemble des deux matchs, surtout compte tenu du match d'aujourd'hui, on a provoqué la réussite, quoi. Après, faire 2-2 ici, c'est magnifique. Magnifique parce que, encore une fois, c'est une équipe qui a joué la finale de la Coupe d'Europe contre Manchester avec 67% de possession de ballon. Même qu'ils ont perdu, ça veut dire quelque chose, quoi. Ils jouent toujours. On voit même qu'ils étaient qualifiés avec 2-1, ils ont continué. Ça nous a permis aussi d'avoir des espaces, puis de marquer le 2-2, quoi. Et on devait être très patient, parce que si on prend le 3-1, c'est fini. Et à 2-1, tout reste possible. Il faut rester calme. Voilà, et puis c'est ce qu'on a fait. On y a toujours cru, quand même. Puis il est tombé, le but. Et puis 2-2 à l'extérieur, Amsterdam, c'est pas mal, quoi. Surtout après le match aller, on fait un. Je pense que beaucoup de monde a dit, oh, ça va être difficile. Et puis finalement, on se qualifie. Mais c'est vrai que on a du boulot, quoi. On a du boulot dans le rythme, dans la prise de balle, la technique, etc., etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que ça aurait pu être autre ce soir, il faut bien le dire. Mais on a passé, quoi. Alors ça va nous booster un peu. Et puis, ça fait du bien, quoi. À mon avis, on a laissé trop de trous après le 1-0. On a cru que c'était, voilà, on était là, on avait marqué, on avait fait le plus dur. Mais alors là, c'est une grosse erreur contre une équipe comme ça. Quand toutes les équipes d'ailleurs, on ne peut pas se relâcher d'un pouce. Mais on a tenu, c'est dur, vous prenez le 1, après on recommence le 2-1, etc. Puis après, c'était une déferlante des moments. Et là, il faut rester calme, il faut que l'équipe soit solidaire, parce qu'on le sait, 2-1, c'est 2-1. Ils auraient pu mettre le 3-1, mais nous, on a eu quand même quelques occasions en contre, hein, quelques fois. Première mi-temps, deuxième mi-temps aussi, on a eu quelques trucs où on pouvait faire mieux, je trouve. Mais il fallait absolument rester à 2-1. Si on prend le 3-1, comme je l'ai dit avant, c'est fini, quoi. Ben c'est beaucoup de joie d'avoir fait vibrer tous les Niçois. Je peux vous dire qu'on a vibré nous aussi. On a été stressés nous aussi. Et je peux vous dire que les 4 minutes de temps additionnel, elles ont été longues et infernales. Je pense que voilà, il y a plein de gens qui nous ont dit après le match aller que ce serait compliqué là-bas de marquer et tout. Donc, je pense qu'on a toujours gardé cette philosophie de jeu, de se dire voilà, on savait qu'on pouvait marquer des buts parce qu'on a joué face à une équipe qui est joueuse et qui n'a pas fermé le jeu à aucun moment. Et c'est un peu la réussite aussi qu'on a eue, mais nous on n'a pas eu peur non plus de jouer.